America is back. Momentum! Momentum! Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Samir Hahel et Marim Abdou, pour vous accompagner au micro. Lors d'une rencontre organisée à Dakar le 6 septembre dernier, portant sur les conséquences de la crise au Soudan, l'accent a été mis sur les incidences de la guerre, sur les dynamiques sécuritaires, humanitaires et migratoires au Sahel. À cet effet, il a été rappelé qu'en 2023, le risque de déstabilisation de toute la région semble avoir augmenté, avec en filigrane le spectre de la crise sociopolitique et sécuritaire au Soudan, qui s'est fortement aggravée avec des affrontements entre les deux généraux de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, et Mohamed Hamdan Daglo, chef de la force paramilitaire, dite Dam al-Sariya. Burhan, qui mettait en garde les diplomates présents à Khartoum, sans plus de précision, leur rappelant la sacralité du Soudan. Nous observons tous la scène politique et nous constatons malheureusement qu'un certain nombre d'envoyés diplomatiques circulent parmi les citoyens et tentent clairement d'inciter la population à se retourner contre les forces armées. Nous mettons en garde ces diplomates contre ce genre de comportement et leur disons que nous voyons clairement et que nous n'hésiterons pas à prendre des mesures contre toute personne commettant des violations à l'encontre de la sécurité et le caractère sacré du Soudan ou contre tout ce qui est lié à ce pays. Avec nous en ligne à partir de Washington, Monsieur Michael Shurkin. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes fondateur et président du Sherbros Global Strategy sur la sécurité en Afrique de l'Ouest et sur la stratégie de défense européenne et américaine. Monsieur Michael Shurkin, le département d'État américain indique que d'ici les trois prochaines semaines, l'Arabie Saoudite va accueillir une rencontre pour tenter de mettre un terme au conflit au Soudan. Doit-on parler d'une feuille de route, monsieur Michael Shurkin? Je sais que ce que les États-Unis essaient de faire, c'est d'encourager le dialogue, la discussion, les négociations entre les deux parties, les deux côtés. Les États-Unis, vraiment, ne mettent pas beaucoup de pression et peut-être même ne savent pas comment mettre la pression pour obliger les deux côtés de faire quoi que ce soit. Tout dépend de l'intérêt des deux côtés de parler. Avec les États-Unis, on a souvent l'impression qu'on ne peut pas faire attention à plus d'une chose à la fois. C'est-à-dire qu'on est préoccupé avec Israël, Iran, Gaza. Il y a aussi la Russie, l'Ukraine, la Chine et le Soudan. Il y a une partie du gouvernement qui s'intéresse énormément. Mais en dehors de ça, on n'a pas suffisamment de capacité de vraiment de s'engager parce que c'est pas une priorité après tout. Selon vous, le Soudan pour les États-Unis ne constitue pas une priorité. Pourtant, les États-Unis possèdent déjà des installations maritimes en Égypte et à Djibouti et dans l'archipel d'Ahlak en Érythrée. Avoir pignon sur rue au Soudan n'est pas quelque chose de négligeable pour Washington. Oui, tout à fait. Donc, je ne veux pas dire qu'on ne reconnaît pas l'importance du Soudan, c'est juste que par rapport aux autres priorités, le Soudan devient en bas de la liste. En tant que quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'Afrique, c'est toujours décevant, mais c'est la réalité. Parce que le Soudan, bon, c'est un pays énorme avec une population très douée, très intelligente, avec beaucoup de potentiel. Le Soudan est important, mais c'est juste qu'à côté d'autres priorités, ça tombe en bas de la page, c'est ça. Je comprends. Et ce que vous dites est d'autant plus intéressant que ceci me pousse à vous poser la question suivante. Est-ce que l'intérêt ou le désintérêt est lié
au soutien extérieur des belligérants. Les deux parties en conflit ont des soutiens extérieurs qui ont des relations avec les États-Unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation de cause à effet, Monsieur Michael Shurkin? Oui, à un certain niveau, oui, c'est vrai, parce que j'ai vu que par rapport à la question des Émirats, on sait que les Émirats font partie du conflit au Soudan, qui fournissent des armes. C'est clair que si on regarde dans les communications du gouvernement américain, qu'on a un peu peur de vraiment de s'affronter à cette question-là. Donc on danse, on hésite à dire directement ce qui se passe. Ça complique les choses parce que tout est lié, parce que on a des rapports avec les Émirats qui sont très compliqués, intéressants. Il y a d'autres pays qui font partie de ce conflit, y compris l'Égypte. C'est vrai que ça complique la donne, ça rend plus difficile la question de trancher la question et de prendre une position très forte et claire et de mettre la pression et aussi de castiguer ceux qui ajoutent la sauce à la feu comme font les Émirats, à mon avis. En 2023, les États-Unis imposent des sanctions économiques et des restrictions de visa contre, indique Washington, les acteurs qui entretiennent la violence. Les sanctions visent la compagnie minière El Junaid, qui gère plusieurs mines Darfour dans le nord-ouest du pays. Elles visent des sociétés minières, mais toutefois, Monsieur Michael Shurkin, elles ne visent pas des personnes directement. Comment lisez-vous cela? C'est juste une question de tactique avec les sanctions, parce que parfois les sanctions économiques, ils ciblent les individus, parfois des entités, mais une raison pour laquelle on fait ça, c'est que parfois il n'y a pas une liaison directe entre les entités et les individus, parce que c'est caché, les liens sont cachés. C'est alors ça. Si on veut toucher vraiment aux ressources économiques d'un individu, parfois il faut cibler plutôt les entités, tout en sachant que cette entité, c'est la propriété de quelqu'un, d'un individu. C'est juste une question de tactique et il ne faut pas lire trop dedans. N'est-ce pas une manière de ne pas mettre à mal des alliances qui existent déjà? Vous avez évoqué, je vous reprends, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Oui, je veux dire que simplement que ces liens compliquent la question. Je ne veux pas dire qu'on refuse de faire quoi que ce soit parce qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas embêter les Émirats, les Égyptiens. C'est juste que ça rend la situation beaucoup plus compliquée. Face à sa complexité, parfois, on hésite. Les Américains hésitent parce que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une réponse nette et claire. Si la situation était plus noire et blanc, ce serait plus facile de trouver une solution noire et blanc. Et tout ça, c'est lié parce que les rapports américains avec les Émirats, avec l'Égypte, ça c'est lié aux rapports avec Qatar, aux rapports avec l'Iran, Israël. Tous ces sujets sont entrelacés, qui rendent les situations beaucoup plus difficiles. Mais en fin de compte, je veux dire que les rapports américains avec l'Égypte sont plus important que le Soudan. Oui, j'ai bien compris. Est-ce que ce n'est pas parce que les États-Unis considèrent le Soudan comme le prolongement de l'Égypte? Non, je crois pas. Non, je crois que c'est faux. On ne voit pas le Soudan comme un prolongement de l'Égypte. Je ne vois pas ça, pas de tout ça. Mais je crois aussi qu'on regarde le Soudan comme un pays dans lequel il y a deux côtés belligérants qui, ni l'un ni l'autre, est vraiment bon. Alors, si on veut chercher qui sont les bons, qui sont les mauvais, c'est vraiment difficile à trouver et distinguer entre les bons et les mauvais avec les deux côtés parce qu'ils sont tous un peu problématiques, je dirais. On ne sait pas quoi faire parce qu'on ne peut pas choisir entre les deux parce que les deux sont mauvais. Alors, quoi faire? C'est difficile à intervenir sans qu'il soit des gagnants et des perdants. On veut voir qui gagne et qui perd. Tout ce qui est clair, c'est que le peuple soudanais perd. Mais comment est-ce qu'on peut intervenir d'une façon à ne pas favoriser ni l'un ni l'autre? Habituellement, Monsieur Michael Shurkin, les États-Unis soutiennent ce qu'ils considèrent comme étant la partie qui a de la légitimité. El Burhan, en l'occurrence, dirige l'armée régulière face à Hamdan Daglo, qui dirige les paramilitaires. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas choisir la partie qui dirige, on va dire, les forces régulières? Parce que c'est une très bonne question. Et c'est vrai que pour ces raisons, je crois qu'on a un peu de préférence pour Burhan, mais
Mais ça reste vrai que le gouvernement américain est très déçu par son comportement vis-à-vis l'opposition démocratique, vis-à-vis le coup d'État. Avant même le conflit, la guerre civile, on était déçu avec lui, on était mécontent avec lui. On cherchait à mettre la pression sur lui pour qu'il ouvre la porte, encore une fois, à l'opposition démocratique. C'est pour ça qu'on n'est pas très clairement à sa faveur. Monsieur Michael Shurkin, vous êtes un fin observateur et connaisseur de l'Afrique. Est-ce qu'il vous semble que la situation au Soudan a un prolongement au Sahel? Ah, tout à fait. Et le trait d'union, c'est le Tchad, bien sûr. Parce que ce qui se passe au Soudan a un effet sur le Tchad et le Tchad a un effet sur le Soudan. Et toujours un effet sur la Centrafrique, le RCA, du point de vue aussi de cette question du manque de progrès de la démocratie, ça fait aussi partie de l'enjeu. Il y a aussi les Russes qui sont un des acteurs au Soudan, pas l'acteur le plus important, mais ils sont un des acteurs. Ils sont bien sûr un des acteurs au Sahel. Je dirais que au fur et à mesure que la situation soudanaise s'aggrave, ça empire la situation au Sahel et le contraire aussi. Alors, vous avez évoqué le Tchad, on peut évoquer également le Niger, qui a un rôle central dans les opérations militaires américaines dans la région au Sahel. Au Niger, aujourd'hui, il y a des mouvements de contestation qui demandent le départ des forces américaines. Est-ce qu'il vous semble que cette situation est née d'un autre conflit? Comment la lisez-vous? Je le lis dans l'évolution d'un populisme sahélien. Pour des raisons très compliquées, il y a une montée du populisme et dans la perspective de ce populisme, on s'en veut contre l'Occident, mais aussi il y a toujours cette critique, soi-disant anticolonialiste, qui voit les Occidentaux en tant qu'exploiteurs des ressources naturelles, etc., etc. Mais cela, il est devenu à la mode s'afficher entre occidentaux, donc anti-français, anti-américains. Et en même temps, les gouvernements qui prennent ces décisions ont la latitude de les prendre, monsieur Michael Shurkin. S'afficher anti-français, c'est une façon très facile à gagner cette légitimité de la rue. On peut faire la même chose avec les Américains, de se montrer très dur contre l'Occident. Ça aussi, c'est une façon de gagner un peu de légitimité aux yeux de la roue. Avec le Tchad, je crois que maintenant, le gouvernement de Déby, c'était un peu la même chose. C'était que Mohamed Déby, parce qu'il sait que son pouvoir est très fragile, il veut se mettre en avance de la vague, en prenant des positions. C'est comme ça que je lis les choses. Les États-Unis ont informé le gouvernement nigérien le 19 avril dernier qu'ils acceptaient sa demande, celle d'un retrait des troupes américaines du pays. Je précise pour nos auditeurs que plus de 1000 soldats américains sont présents au Niger et une importante base de drones à Agadez construite pour environ 100 millions de dollars. Est-ce qu'il y a une perspective de redéploiement ailleurs, dans un autre pays de la bande sahélienne? Pas dans la bande sahélienne. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis s'intéressent de plus en plus aux pays de la Golfe de Guinée, le Ghana, le Togo, le Côte d'Ivoire, le Bénin, parce qu'ils se trouvent, ces pays, ils se trouvent tous dans une situation de guerre contre les djihadistes. S'il y a une espèce de retranchement américain et occidental, parce que les Français font la même chose, c'est vers la Golfe de Guinée. Les rapports entre les États-Unis et les pays de la Golfe de Guinée sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus forts que les rapports entre les États-Unis et les pays du Sahel. Et même le fait que la plupart des Noirs américains sont d'origine de la Golfe de Guinée, il y a des liens culturels, économiques, etc., etc. Je crois qu'il y aura, on va voir un certain retranchement américain vers la Golfe de Guinée, mais autrement, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on va avoir des bases de drones à l'échelle de la base de drones nigérienne. Et aussi, le destin de cette base de drones, ça reste à voir. J'ai du mal à voir les Américains en donnant cette base de drones aux Nigériens, de peur que les Nigériens le donneraient aux Russes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Peut-être ils vont saboter, miner, détruire. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais ça reste à voir. Un redéploiement américain dans le golfe de Guinée, les présences ou la présence américaine dans la bande sahélo-sahélienne est remplacée par notamment la Russie. Est-ce qu'il y a une redirection de la politique de ces pays?
Oui, il y a une redirection, mais c'est un reflet du populisme. Et... Monsieur Michael Shurkin, on ne peut pas à tous les coups dire que les choix contraires aux choix états-uniens ou aux choix français relèvent du populisme tout de même. Il y a des raisons de circonstances qui font qu'il y ait un changement de choix également. C'est pas clair. Avec le Mali, c'est vrai qu'il y a eu toujours un malentendu très important entre la France et le Mali sur le conflit interne avec les Touaregs. La France avec les États-Unis derrière, la France a insisté que ceci est l'ennemi, mais cela n'est pas l'ennemi. Tandis que pour les Maliens, ils ont vu des choses différemment. Et avec ce malentendu stratégique, ça se comprend qu'il y a une distanciation, un conflit entre les perspectives maliennes et les perspectives occidentales. Mais en ce qui concerne le Niger et le Burkina Faso, c'est plutôt mécontent avec le statu quo, avec certaines élites, dans un contexte interne et média. Monsieur Michael Shurkin, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci infiniment. Merci beaucoup. Michael Shurkin est directeur de Global Programme 14 North Strategy, fondateur président du Global Strategy sur la sécurité en Afrique de l'Ouest, Sahel, sur la stratégie de défense européenne et américaine. Michael Shurkin était avec nous à partir de Washington. Le 25 octobre 2021, plusieurs responsables politiques soudanais sont arrêtés. Le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté depuis 2019, annonce la dissolution des autorités de transition, dont le Conseil des ministres, décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, démet de leurs fonctions les gouverneurs des États, les ministres d'État et vice-ministres, et suspend le travail du comité chargé du démantèlement de l'ancien régime. Une annonce au ton solennel est ainsi faite. Nous avons décidé de décréter l'état d'urgence dans tout le pays et de dissoudre le gouvernement et le Conseil de souveraineté. Nous restons cependant attachés aux accords internationaux signés pendant le règne du gouvernement intérimaire et à la transition vers un état civil. Ainsi faisant, le 25 octobre 2021, l'armée soudanaise reprend le contrôle intégral du pouvoir. Le processus de transition démocratique est interrompu et le Conseil de souveraineté est dissous. Le Premier ministre Abdallah Hamdok est arrêté, puis rétabli dans ses fonctions après une période ponctuée par des bras de force. Le 21 novembre, après la signature d'un accord entre le général Abdel Fattah, les deux hommes, Hamdok et Burhan, conviennent de mettre en place un cabinet intérimaire composé en grande partie de technocrates en attendant les élections annoncées pour juillet 2023. Hamdok en fait l'annonce. Cet accord permet, nous l'espérons, de lever les obstacles internes et externes et de rétablir le processus de transition vers une démocratie durable. Aussitôt l'accord paraffé, les réactions en chaîne s'en sont suivies. Mariam El Mahdi, ministre des Affaires étrangères du Soudan en 2021 au sein du gouvernement d'Abdallah Hamdok, fille du chef du principal parti d'opposition, Sadiq El Mahdi, premier ministre du gouvernement civil, renversé par le coup d'État d'Omar al-Bashir en 1989. Mariam El Mahdi présente sa démission au premier ministre Abdallah Hamdok après la signature le 21 novembre de l'accord avec le général El Burhan. La vice-présidente du parti Oumma évoque une situation politique qui avance au gré de la houle et établit les limites des institutions régaliennes. La situation au Soudan est prise dans un déferlement de vagues. Quoi que l'on dise, quoi que l'on constate au Soudan, les problèmes sont apparents et en surface.
Nous vivons une véritable révolution, pas seulement dans l'engagement des jeunes et des femmes, mais aussi dans l'organisation de la vie politique. Le rôle de l'institution militaire, une institution importante, doit se faire en dehors du cercle du pouvoir. En sa qualité d'armée professionnelle unifiée, cette question est restée sujette à perturbation, ce qui expose le Soudan à de multiples coups d'État et à de nombreuses révolutions. La population soudanaise ne lâche pas prise et poursuit ses mouvements de protestation. L'accord signé le 21 novembre est ainsi dénoncé. Nous manifestons contre l'accord politique du 21 novembre, qui était censé arrêter le bain de sang. Mais malheureusement, il y a encore des morts et des violences. Cela signifie que cet accord n'est pas le bon. À l'issue d'une importante manifestation et en fait des morts, l'ex-premier ministre Abdallah Hamdok jette l'éponge et annonce sa démission. J'ai décidé d'annoncer ma démission, donnant ainsi l'occasion à un autre homme ou femme de notre généreux pays de continuer avec le leadership du pays. J'ai fait de mon mieux pour éviter que le pays ne tombe dans un désastre. Le Soudan traverse des périodes qui avancent en dents de scie. Certains parleront de transition bicéphale, aux lignes difficilement immuables pour les uns et faciles à franchir pour les autres. Le pays connaît en effet une transition entachée par des divisions politiques. Voyons cela de plus près. Après la destitution de Omar al-Bashir, un conseil militaire de transition composé de militaires et de civils prend le pouvoir. C'était le 11 avril 2019. Ce conseil devient ensuite le conseil de souveraineté le 17 août de la même année. Il sera chargé de diriger la transition démocratique du pays. Toutefois, cette transition qui reposait sur un partenariat entre civils et militaires se heurte à des lignes de front, une fracture que nous explique Sawarmi Khaled Saad, ancien porte-parole des forces armées soudanaises. La situation politique au Soudan connaît des tiraillements entre les politiques civiles avec leur vision, leur idéologie et des a priori divers. Ils sont aussi organiquement différents du composant militaire en dépit du fait qu'ils ne constituent pas un bloc. Ceci a conduit à une situation économique très difficile. Il y a des conflits politiques et socio-économiques qui paralysent le pays. C'est une vision militaire politisée ? Dans le monde arabe, et comme vous le savez, la plupart des gouvernements sont des gouvernements militaro-politiques. Ceci a conduit à une situation économique très difficile. Il y a des conflits politiques et socio-économiques qui paralysent le pays. Des tensions qui exacerbent la situation déjà difficile et compliquent la vie au quotidien. Au Soudan, la crise économique est profonde, avec une inflation élevée et des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. Une situation sensiblement dangereuse qui a d'ores et déjà conduit, rappelez-vous, à la chute de Omar al-Bashir. En dépit des ressources naturelles non négligeables, le Soudan est parmi les pays les plus pauvres du monde. Le PIB par habitant est en constante diminution. L'ancien Premier ministre, Abdallah Hamdok, avait affirmé dans une interview en août 2020 que son ministre des Finances n'avait accès qu'à 18% des ressources de l'État, ce qui laisse 80% des revenus du Soudan hors de contrôle. Toutefois, n'aurait-il pas fallu coordonner les efforts afin de ne pas permettre à un pays, riche par sa culture et ses ressources, de se transformer en proie facile à phagocyter ? Abdelbari Gilani Ahmed, ancien ministre des Mines, explique et pointe du doigt le manque de coopération interarabe. Au Soudan, nous pensons que les problèmes du pays sont liés aux ingérences d'organisations internationales non arabes. Nous n'avons constaté aucun travail coordonné portant sur les difficultés que traverse le Soudan.
nous pensant que les tentatives de marginalisation sont liées au refus du Soudan d'avoir des canaux avec les sionistes et leurs alliés. Le Soudan a un positionnement stratégique. C'est un pont entre l'Afrique et le monde arabe. Pourquoi ne pas renforcer ces liens ? Nous représentons la société civile et nous pensons que la difficulté nous oblige à coopérer. Le changement est un défi. Après le début des affrontements entre factions armées rivales, le Soudan est toujours plongé dans une guerre dévastatrice qui a fait près de 15 000 morts et abouti à 8 millions de déplacés. Ce sont également 25 millions de personnes qui ont un besoin urgent d'assistance. Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, évoque un transfert du pouvoir aux civils. Nous sommes confiants de pouvoir surmonter cette épreuve avec sagesse et force, de manière à préserver la sécurité et l'unité du pays et de transférer le pouvoir aux civils. Comment évaluer l'incidence de la guerre au Soudan sur la situation sécuritaire ? Quels sont les leviers dont disposent les États du Sahel pour contenir les risques de débordement des crises régionales ? Ce sont ces questions et d'autres que nous allons poser à notre invité, M. Louis Kenmayou. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avec nous à partir de Lomé. Vous êtes analyste, chroniqueur, président du Club de l'information africaine. Avant de répondre à ces questions, une première, monsieur Louis Magloire Kemayou. Comment jugez-vous l'impact de la crise au Soudan sur le reste de la région et notamment sur les pays du Sahel ? Il est pour le moment très difficile d'évaluer l'impact vu que ce sont des données qui ne sont pas toujours très partagées. Il n'y a pas une harmonisation des statistiques et des données relatives à l'influence que cela peut avoir, mais il est à peu près certain que déjà en termes de déplacement de population, cela aura une influence sur la situation au Tchad, par exemple, où sévit Boko Haram. Et si cela touche le Tchad, ce sont tous les pays autour du lac Tchad qui sont concernés, c'est-à-dire le Tchad en premier, le Cameroun, le Niger et le Nigeria, avec une incidence sur les autres pays de cette zone-là, que sont le Burkina Faso, le Mali et ainsi de suite. Donc, il est évident que probablement les troupes se parlent entre elles, les troupes djihadistes, ne serait-ce que sur la base strictement ethnique de celles qui partagent la même langue. Puis, si jamais il y a une porosité au niveau des frontières, il est évident que parmi les réfugiés, certains ne seront pas des réfugiés, mais de véritables terroristes qu'il faudra contrôler, ou alors, si on ne contrôle pas, qui pourront amener à des actions soit d'approvisionnement, soit d'action terroriste. C'est-à-dire que les États perdent le contrôle sur leurs frontières. Ce n'est pas que les États perdent le contrôle sur leurs frontières, c'est que nous avons des frontières naturelles sur le continent africain héritées de la colonisation qui font que l'on retrouve très souvent de part et d'autre de la frontière les mêmes groupes ethniques. Et donc les gens se rendent visite presque naturellement et même au niveau des frontières, les contrôles ne sont pas trop stricts, au moins pour cette raison-là. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, instaurer un contrôle strict est très difficile dans des régions où les gens habitent souvent dans un pays, vivent la journée dans un autre et reviennent juste comme s'ils allaient dans un dortoir dans l'autre pays. Et donc, à ce niveau-là, la véritable complexité se trouve à cette échelle, à l'échelle du contrôle de populations qui ont à peu près tout en commun, mais qu'une frontière artificielle héritée de la colonisation divise aujourd'hui. Quels sont les leviers dont disposent les États du Sahel pour contenir les risques d'éventuels débordements ? Déjà, la lutte contre le terrorisme est très compliquée pour une raison simple, c'est que c'est une guerre asymétrique. L'adversaire n'est pas clairement identifié. Il ne porte pas une tenue, il n'a pas un faciès qui permet de le reconnaître comme ennemi. Et donc, c'est très compliqué à partir de ce moment-là de ne pas avoir de bavure, par exemple, en attaquant des populations civiles prises pour des cibles ennemies. Donc, c'est ce qui complique l'opération pour les armées régulières au niveau du continent africain. Et maintenant, pour ce qui est de l'éradication du terrorisme, c'est un tout autre débat parce que c'est une question de gouvernance également. Mmh. On se retrouve dans des pays où, aux confins des frontières, l'État n'est pas présent. Et pourtant, la centralisation est très forte et ramène tout à la capitale, qui est souvent à 1800 kilomètres, voire à 800,
mais c'est déjà beaucoup par rapport à quelqu'un qui a besoin de faire juste 100 ou 200 kilomètres pour se retrouver à la capitale d'un autre pays, mais qui dans son pays ne bénéficie pas de toute l'attention de l'administration centrale. Donc la bataille ne peut pas être que militaire, elle doit aussi être une bataille de gouvernance, une bataille de redevabilité qui fait que les infrastructures que l'on a à la capitale devrait pouvoir se retrouver un peu partout sur le territoire afin que le citoyen se sente pris en charge, sécurisé par le gouvernement central. Depuis une dizaine d'années, la région du Sahel est confrontée à une menace hybride et complexe, comprenant terrorisme, criminalité transfrontalière, trafic d'êtres humains, etc. Jusqu'à quel degré les solutions politiques et diplomatiques sont dans de telles circonstances compromises ? Les solutions militaires, elles peuvent tenir tant qu'il y a un engagement qui permet de frapper, mais qui ne permet pas de durer longtemps. Les victoires militaires sont très éphémères parce qu'une fois qu'on a gagné, on ne se bat plus. Oui. On est dans une position plutôt de défense. Oui. Et donc, pendant qu'on défend, on peut être attaqué. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le volet militaire, par moment, produit des victoires, mais des victoires sous forme de feu de paille, qui ne permettent pas de consolider la victoire qui a été acquise et donc de sécuriser les populations et de faire qu'elles profitent du développement économique autour d'elles, des ressources économiques qui sont sur leur sol ou en dessous de leur sol. Donc aujourd'hui, le fait qu'on ait mis l'accent sur la dimension militaire du combat a peut-être fait oublier qu'il y a également besoin d'accompagner les gens, d'avoir une administration sur place, des policiers, des médecins, des enseignants, du personnel de santé qui vont s'occuper des populations au quotidien, qui vont les sécuriser et répondront à leurs attentes. Or, nos pays sont aujourd'hui face à des menaces qui sont hybrides, comme vous le disiez, mais surtout devant lesquelles elles sont démunies. Nos gouvernements sont démunis devant ces menaces-là. La crise de la Covid est passée par là. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine est en train d'aggraver la situation économique de nos pays. Et donc, les attentes économiques sont très fortes, mais les moyens ne suivent pas pour répondre à toutes ces attentes-là, tant au niveau national qu'au niveau local. Et c'est pour ça que par moment, on a l'impression de patauger et de piétiner sur place, voire de reculer. Mmh. Monsieur Louis Kenmayou, nous évoquons également les ingérences extérieures qui peuvent exacerber les tensions. Mohamed Ibn Shambas, président du panel de l'Union africaine sur le Soudan, a qualifié l'ingérence extérieure de facteur majeur. Jusqu'à quel degré l'est-elle ? Ce facteur majeur reste majeur tant qu'il y a des complicités en interne qui permettent que cela marche. Et parfois, c'est la cupidité qui fait fonctionner les complicités. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une grande entreprise, on va pas citer de pays, mais d'un pays étranger, mm-hmm. qui vient chez vous et vous promet une corruption sur la base des actions qu'elle mènera sur le terrain et que vous l'acceptez, vous fragilisez la sécurité de votre pays. Et malheureusement, dans la plupart de nos pays, que ce soit en RDC, que ce soit au Soudan, au Mali ou dans n'importe quel autre pays sur le continent africain aujourd'hui, en proie à des crises sécuritaires, c'est ce qui se passe malheureusement. C'est que c'est la conquête du sous-sol qui amène à l'insécurité générale, voire à la guerre, à l'exacerbation du terrorisme. Et donc si on n'arrive pas sur le plan interne à faire l'unité, il y aura toujours des personnes qui se laisseront corrompre et qui feront que la situation sécuritaire va continuer de se dégrader. L'instabilité institutionnelle serait le terreau de toute situation instable ? Oui, c'est-à-dire, des fois, j'ai entendu que du fait qu'il n'y ait pas alternance à la tête du pays, certains se sentent obligés de faire des coups d'État pour forcer le passage à l'alternance. C'est vrai que c'est un débat. C'est un débat qui doit être ouvert, celui de l'alternance. Mais est-ce que c'est le seul élément qui permet aujourd'hui d'avoir d'une part un pôle de stabilisation et d'autre part un pôle de développement économique? J'en suis pas si certain. Parce que si nous commençons nous-mêmes à enfreindre les règles qui ont été fixées et à faire en sorte que la loi qui doit s'appliquer à tout le monde ne s'applique pas à certains et que les coups d'État deviennent une règle et pas l'exception, je pense que nos pays sont partis pour plonger dans une instabilité qui n'aura pas de fin. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, il faudrait que nous arrivions non pas à tropicaliser la démocratie, non pas à l'africaniser, mais à faire en sorte que nos engagements, nous arrivions à les tenir. Et si nous ne pouvons pas les tenir, que nous nous entendions sur les raisons pour lesquelles on va passer à une autre étape, faire autre chose. On n'est pas obligé d'utiliser des coups de force tout le temps pour régler les problèmes de gouvernance. Moi, je crois que dans des pays où on a choisi, par exemple, la royauté ou la démocratie, enfin le régime parlementaire,
ça peut fonctionner. On élit un chef, il est obligé de discuter avec les autres partis pour avoir une majorité, et ça permet d'avoir une vie politique dans laquelle le consensus est la règle. Mais si on se retrouve dans des cas de figure où il s'agit juste de remplacer les uns par les autres et d'avoir l'impression qu'on a et la démocratie et l'alternance, oui, je pense que nous nous trompons de chemin, malheureusement. Est-ce que les pays que l'on a cités, est-ce qu'ils ne seraient pas victimes de tiraillements internes ? J'entends par ma question, comment faire pour que le politique cesse d'être militarisé et le militaire cesse d'être politisé et éviter de ce fait le tiraillement qui aujourd'hui plonge une partie du continent dans le chaos ? On ne peut pas interdire aux militaires d'être politisés, puisque ce sont des citoyens à part entière. Ils ont le droit de voter, ils élisent le président de la République, ils font partie de l'électorat, ils font partie de la communauté nationale. En revanche, au sein de la communauté, ils ont un rôle qui n'est pas celui de diriger la cité, c'est de protéger la cité. Et donc, il faut que chacun soit à sa place. Si un militaire estime qu'il a suffisamment servi, et qu'aujourd'hui, en tant que militaire, il ne peut plus rien donner, il faut qu'il se convertisse à la politique, qu'il traverse le cap, qu'il aille se présenter devant les électeurs. Mais on ne peut pas avoir et l'un et l'autre sans que cela pose un problème. Regardez par exemple la situation aujourd'hui dans les pays du Sahel, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Je veux bien que ce soit une volonté populaire aujourd'hui qui porte la dynamique de ces trois pays, Niger, Mali et Burkina Faso, mais il est évident que pendant qu'ils sont au palais présidentiel, l'énergie qu'ils mettent à rester au pouvoir, c'est l'énergie qu'ils ne mettent pas à sécuriser le pays. Et donc pour moi, ça pose un vrai problème. C'est une situation née d'un problème de gouvernance, par ailleurs, Monsieur Louis Kenmayou. Oui, mais le problème de gouvernance des civils ne peut pas être réglé par les militaires, il doit être réglé par les civils. Le seul détenteur du pouvoir en démocratie, c'est le peuple. Si on arrive à convaincre le peuple de sa capacité à changer ou à améliorer la gouvernance du pays, moi je suis convaincu que ça se passera bien, qu'on soit militaire ou civil. Mais si on opère par un coup de force comme un bandit, on est obligé d'être traité comme tel, on est un usurpateur. Au Sahel, le problème est un problème de gouvernance, et de cette gouvernance sont nés des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, à savoir l'insécurité dans sa plus grande totalité. Nous sommes dans un cas de figure de cercle vicieux dont on peut difficilement déterminer le début. Le fait est que ces pays ont commencé à s'affaisser quand leur gestion a été sur le plan économique et financier critiquable, oui, pour rester poli. Donc c'est parce que les gouvernements en place ont par exemple fait des éléphants blancs, ont monté plein de projets qui n'ont jamais vu le jour, mais qui ont été financés en grande pompe, que l'on s'est retrouvé avec des économies exsangues. Et à partir du moment où les économies sont exsangues et que vous êtes obligé d'aller devant les bailleurs de fonds internationaux, qu'il s'agisse du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Union européenne ou de tous les autres partenaires multilatéraux, vous êtes obligé d'appliquer les recettes que vous imposent ces partenaires. Et justement, les remèdes proposés, notamment les programmes d'ajustement structurel, ont été si difficiles à absorber dans la population, notamment avec les lots de privatisation qui s'en sont suivis, que l'État a dû reculer dans beaucoup de domaines, et c'est parce qu'il a reculé qu'il a abandonné beaucoup de populations sur le bord du chemin. C'est et donc aujourd'hui, il est difficile d'imputer le recul de l'État et la mauvaise gouvernance à une seule personne. Il y a certes eu un problème de gouvernance à la base, dû à l'euphorie de la période des indépendances, où on voulait tout construire à n'importe quel prix. Et après, le remède que nous ont apporté nos partenaires techniques multilatéraux a fini de détruire l'édifice et de détruire les espoirs de développement de nos pays. Donc aujourd'hui, il s'agit de reconstruire tout cela. Comment on le fait et avec qui ? Ça, la première réponse devrait venir de l'intérieur. C'est-à-dire arriver par moment à se refermer sur soi-même, peut-être comme les Chinois l'ont fait, arriver à échanger davantage entre Africains, augmenter le volume du commerce intra-africain, augmenter le volume des échanges au sein des pays africains pour que l'Afrique ne dépense plus autant et n'ait plus une balance commerciale aussi déficitaire vis-à-vis de ses partenaires à l'extérieur. Si nous partons de cela, je crois qu'on pourra déjà tenir le bon bout pour arriver au résultat escompté. Mais si nous continuons aujourd'hui dans la voie qui est la nôtre, c'est-à-dire celle de la fuite en avant, il est à peu près certain que le déficit continuera de se creuser et que l'Afrique aura beaucoup de mal déjà juste à retrouver son niveau des années 70
et encore moins de rattraper son écart vis-à-vis des autres économies que sont celles des pays des BRICS ou alors des pays les plus développés. Monsieur Louis Magloire Kenmayou, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonne journée. Également, merci. Louis Kenmayou est analyste, chroniqueur, président du Club de l'information africaine. Et toujours dans le cadre du prolongement des désastres humanitaires, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, a affirmé que 160 représentations et bâtiments de l'agence dans la bande de Gaza ont été complètement détruites. Philippe Lazzarini a rappelé qu'à ce jour, 280 membres du personnel des Nations Unies ont été tués. Lazzarini alerte et met en garde. Démanteler l'UNRWA est irréfléchi. En le faisant, nous sacrifierons une génération entière d'enfants, semant les graines de la haine, du ressentiment et d'un futur conflit. Avec nous en ligne, Monsieur Jonathan Fowler, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes porte-parole de l'UNRWA. Monsieur Jonathan Fowler, nous évoquions ces chiffres qui ont été avancés par le chef de l'UNRWA. Avez-vous, à ce jour, obtenu un retour ? Nous avons commandé nous-mêmes, au mois de janvier, une sorte de revue, en fait, de nos systèmes de neutralité, en fait, pour voir si nos systèmes étaient assez robustes au niveau interne, pour assurer l'application du principe fondamental humanitaire de la neutralité. Alors, là, il s'agissait d'un groupe de travail dirigé par Madame Catherine Colonna, l'ancienne ministre des Affaires étrangères de la France. Donc, elle a rendu son rapport cette semaine, et dans ce rapport, elle a estimé que nous avons bien des systèmes en place, nos systèmes sont très robustes. Évidemment, tout le monde peut toujours faire mieux, mais par rapport aux autres instances des Nations Unies et ou bien des ONG, nous avons des systèmes beaucoup plus robustes. Alors, ça, c'est une chose, mais... Au mois de janvier, peu après que nous avons commandé cette revue, il y a eu certaines allégations qui ont été révélées par les autorités israéliennes s'agissant du comportement supposé d'une douzaine d'employés de l'UNRWA. Mais nous n'avons toujours pas reçu des preuves du comportement. Il s'agissait des allégations de participation dans des attaques du 7 octobre contre Israël. Donc là, une enquête est en cours. Et ça, c'est dirigé par une instance d'enquête des Nations Unies, du quartier général des Nations Unies. Donc cette enquête est indépendante de l'UNRWA. Et comme c'est toujours en cours, nous n'avons pas les résultats. Mais bien évidemment, il était souligné dans le rapport de Catherine Colonna que nos systèmes sont en place. Et dans nos systèmes de neutralité, nous avons un système dans lequel nous partageons les noms, les identités, les fonctions de tout employé de l'UNRWA. Nous avons 30 000 personnes qui travaillent chez nous, dans toute la région. Et nous partageons avec les autorités palestiniennes, jordaniennes, libanaises et syriennes, mais aussi avec les autorités israéliennes en tant que pouvoir occupant de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Donc il n'y a pas de mystère qui travaille pour l'UNRWA, c'est quoi les noms des personnes, qu'est-ce qu'ils font, etc. Nous partageons ces noms et nous n'avons jamais reçu un retour des autorités israéliennes. Il n'y a pas de mystère de qui travaille chez nous. Personne n'a jamais évoqué quoi que ce soit en tant que comportement incorrect. Là, nous restons un peu dans une certaine nébulosité parce que nous avons entendu l'ONG, même les autorités israéliennes, qui ont évoqué plusieurs chiffres, des employés, 1000 personnes. S'agissant de l'enquête, on parle toujours d'une douzaine d'employés. Douzaine d'employés sur 30 000 personnes qui travaillent auprès de l'UNRWA. Donc là, on parle de 0,04%. Vous évoquez 12 employés, mais ça reste au stade d'allégation puisque aucune preuve n'a été amenée concernant les 12 employés, justement. Tout à fait, tout à fait. Nous avons toujours, même s'il ne s'agit pas de notre propre enquête, parce que nous avons nos systèmes aussi d'enquête interne, mais là, l'enquête est dirigée par une autre instance des Nations Unies, mais effectivement, nous avons toujours appelé que qui que ce soit tient des informations sur les allégations, parce que les allégations ont souvent été évoquées dans les médias. Si quelqu'un a des preuves,
merci de les partager avec les enquêteurs des Nations Unies. Et le niveau de coopération, on peut dire que ça a été limité. Nous situons ces allégations, une sorte de campagne, des tentatives de détruire notre agence, car on peut dire que nos détracteurs, ils estiment que faisons partie du problème et pas partie de la solution. Voilà. Monsieur Jonathan Foller, j'aimerais également vous faire réagir sur le point suivant. Il est à rappeler qu'à ce jour, 280 membres du personnel des Nations Unies ont été tués à Gaza. Comment comptez-vous agir? Je rajoute également que 160 bâtiments de l'UNRWA ont été endommagés, soit complètement, soit partiellement détruits, et au moins 400 personnes ont été tuées à l'intérieur alors qu'elles cherchaient une protection sous le drapeau des Nations Unies. Comment allez-vous réagir? Est-ce qu'il y a une procédure en cours en ce sens, monsieur Jonathan Foller? Et je rappelle que vous êtes porte-parole de l'UNRWA. Merci pour cette question. Et évidemment, au niveau de notre agence, nous subissons presque tous les jours, nous recevons des informations tragiques sur ce qui est arrivé à nos employés qui travaillent dans la bande de Gaza. Nous avons effectivement perdu 180 à ce jour de nos employés qui ont été, la plupart ont été tués auprès de leur famille, parce qu'il s'agit d'employés palestiniens qui font partie de leur communauté. Nous avons également perdu des collègues qui ont été tués sur place, sur le lieu de travail, notamment à Rafah. Un de nos entrepôts de distribution d'aide humanitaire a été frappé au mois de mars, et un collègue a été tué et un autre a été blessé mortellement. Également, comme vous avez effectivement évoqué, nos installations ont été touchées à répétition. Eh bien, oui, il s'agit d'installations, de bâtiments, des écoles, souvent transformées en abris d'urgence, qui sont protégées sous le drapeau des Nations Unies. Il s'agit de quelque chose qui est fondamental dans le droit humanitaire international, la protection des lieux qui sont sous drapeau des Nations Unies, et les gens qui ont cherché secours, qui ont été tués, et plusieurs 1400 ont été blessés aussi. À ce stage, nous focalisons surtout sur l'opération humanitaire. Nous ne sommes pas une association des Nations Unies mandatée pour enquêter. Nous avons souvent appelé à une enquête internationale indépendante sur ce qui s'est passé dans la bande de Gaza. Le fait que nos bâtiments ont été touchés, frappés directement, indirectement, que la neutralité de nos bâtiments a été compromise par la mauvaise utilisation des bâtiments. Justement, oui. Pardonnez-moi, je vais rajouter ceci, monsieur Jonathan Foller, Monsieur Philippe Lazzarini a précisé que les bâtiments ont été utilisés à des fins militaires et des arrestations ont également eu lieu. Des employés ont été soumis à de mauvais traitements, voire des tortures. C'est ce qu'a indiqué Lazzarini, le chef de l'UNRWA, monsieur Jonathan Foller. Exactement, oui, nous avons sorti un rapport dernièrement sur ce sujet, parce que il s'agit d'arrestations à répétition de plusieurs personnes dans la bande de Gaza, y compris nos employés. On ne peut pas dire clairement s'ils auraient été ciblés pour arrestation, mais effectivement, nos collègues qui ont été arrêtés et qui ensuite ont été libérés au poste frontière, ils ont évoqué le mauvais traitement qu'ils ont subi, qui peut être assimilé à la torture. Ce n'est pas un traitement qui est uniquement réservé aux employés de l'UNRWA, mais nous parlons de ça parce qu'il s'agit d'employés des Nations Unies qui ont certaines protections, qui ont des privilèges et immunités dans le droit international et les accords diplomatiques. Monsieur Jonathan Foller, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Jonathan Foller est porte-parole de l'UNRWA. Ont participé à ce programme Michael Shurkin, directeur de Global Programme 14, Nord Strategy. Jonathan Foller, porte-parole de l'UNRWA. Louis Kenmayou, analyste, chroniqueur, président du Club de l'information africaine. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Samir Haheli Shiraz. Au multimédia, Maryam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.
Thank you.